chez Dantali. Enfin Tali. Harassé de fatigue par mon long voyage, mais heureux. Je regardais vivre le peuple de Paris, je pataugeais dans la boue de Paris. Cette boue qui recouvrait les pavés bien ébarbés que j'avais vu charrier tout au long de la Seine. Et le Colette à mes semelles. Vous voici joliment fait à cette heure, boueux de la tête aux pieds. D'où venez-vous pour ne pas savoir qu'un cheval au galop éclabousse? D'où je viens, monsieur? Ma mémoire en garde le souvenir, mais où je vais? Dieu vous a sans doute mis sur mon chemin pour m'y guider, car je ne connais point Paris. Et crains de me perdre en ces dédales. Je n'en doute pas. À votre accent, je devine que vous allez rejoindre certains endroits où se réunissent vos compatriotes. Ils jouissent séant d'une triste réputation. Vous êtes gascon? Et oui, natif de la terre des Landes, et j'en suis fier. Allez donc, puisque tel est votre désir. Allez chercher la rue Saint-Jacques, gagnez le faubourg Saint-Germain. Du côté de la rue de Seine, vous trouverez vos joyeux compagnons faisant ripaille. Bonne chance! Je marchais. Rue des Fossés Saint-Victor. Enfin, Faubourg Saint-Germain, j'étais arrivé. Mais j'hésitais à soulever le lourd marteau. Cette porte était un mur entre ma vie passée et la nouvelle. Seul contre 20. Chamblez ces quatre. Quatre dont le sang se répandit sur le sol de la taverne. Je poursuivis les autres qui s'enfuirent en hurlant. Vive les Gascons! Vive les Gascons! On dirait qu'on a frappé. Qui va là? Un de Gascogne. Un Gascon? Soyez le bienvenu. D'où venez-vous? De Toulouse. En passant par Marseille, la Barbarie, la Provence et l'Italie. Oh, voilà un fort beau voyage, digne d'un vrai Gascon. Vous êtes dans ma demeure. Je suis juge et natif de Sors, en Gascogne. Chez moi, les lois de l'hospitalité sont observées. On boit, on mange, on dort, même au besoin. Mais à une seule condition. Être Gascon, vive la Gascogne. Et je suis de Pouille, près de Dax, et me nomme Vincent de Paul. Nous serions heureux quand même de connaître quelques détails sur votre singulier voyage. Et vous disiez être parti de Toulouse. Et oui, de Toulouse, où je fis mes études. Et de là, je me rendis à Marseille afin de récupérer un héritage. Et au retour, pour me rendre à Narbonne, je pris la voie de la mer. Vous ne craignez donc point les pirates? Je ne les craignais point, mais j'ai dû faire leur connaissance. Les brigantins nous donnèrent la chasse dans le golfe du Lion et nous firent bel et bien captifs. Trois des nôtres furent tués, plusieurs blessés, et notre pilote a chié en 5000 pièces. Enfin, on nous déchargea en Barbarie, comme de villes marchandises, et nous fûmes vendus, dépouillés de tout, vêtus d'une simple braie et d'une bonnette. À vous dire, je reconnais bien l'un des nôtres. Ensuite, je fus acheté par un pêcheur, qui me revendit à son tour un médecin qui fabriquait de l'or. Vous a-t-il livré quelques secrets? Hélas, non. Ma seule occupation était d'entretenir le feu de 12 fourneaux. Dommage, vous auriez pu nous être d'une grande utilité. Car chez nous, si le cœur est grand, la bourse est souvent plate. Eh bien, vous n'êtes pas le seul. Avant de mourir, ce brave homme me transmit seulement quelques recettes de médecine. Son neveu me vendit un renégat de Nice, que je parvins à convertir. Et oui, car je suis homme d'église.
Le vice-légat, Monseigneur Montorio, consentit à nous recevoir en Avignon. Et puis, protégé par cet éminent personnage, mes pas me conduisirent à Rome, où je poursuivis mes études. Enfin, j'ai quitté Rome pour Paris, que j'avais grande envie de connaître. Et me voici. Eh bien, bravo, cher compatriote. Votre récit est fort vraisemblable. Vraisemblable, mais il est exact. Nous n'en doutons nullement, d'autant moins que chacun de nous pourrait voir compter maintes péripéties plus rocambolesques les unes que les autres. Et si, l'un après l'autre, nous vous dévoilions toutes nos aventures, le soleil se coucherait deux fois avant que nous ayons terminé. Et où comptez-vous loger, monsieur de Paul? Justement, je venais vous demander conseil, car j'ignore tout de Paris. Vous logerez ici, ce qui épargnera votre bourse et vous évitera certaines de mes aventures. La ville est pas sûre. On ne ramasse pas moins de 20 cadavres par nuit. Et le couvre-feu, Paris est la proie de vagabonds oisifs, gens sans aveu, ruffiens et autres mendiants. Ainsi Dieu en avait-il décidé. Je partageais la chambre de mon compatriote, le juge de sort. Je partageais la vie des Gascons. Que me semblait lointaine mon enfance, les courses dans les Landes, puis ma première messe dans le petit oratoire de Notre-Dame des Grâces de Buzette, perdu au milieu des bois, mes études à Toulouse. Ici, à Paris, j'apporte mon aide à l'hôpital de la Charité. Et j'étais heureux d'avoir pour conseiller et directeur M. de Bérulle. M. de Bérulle que tout Paris admirait. À ses serments, la foule se pressait. Combien d'âmes ne ramena-t-il pas à Dieu? Ma vie commençait à s'organiser quand survint un incident qui en dévia le cours. J'étais souffrant et fis mander un remède que m'apporta le garçon de l'apothicaire. Il faudrait de l'eau et un verre, monsieur de Paul. Oui, ouvrez l'armoire, voici les clés. Et sur la gauche, vous trouverez un gobelet et sur la table, il y a un pichet d'eau. Je vais être absent quelques jours. Mais un autre garçon me remplacera si vous avez besoin de quelques services. Merci. Je m'étais endormi quand rentra mon ami le juge. Il se dirigea vers l'armoire sur la pointe des pieds pour ne point m'éveiller. En lui échappa un juron gascon que je n'oserais traduire. Oh! Oh, si je tenais le chenapan qui m'a volé. Mais au fait, vous aviez les clés. Vous étiez seul. Hein? Monsieur de Paul, 10 heures de patte notre. Est-ce pour vos bonnes œuvres que vous m'avez dérobé ma bourse? Allez, avouez! Calmez-vous, je ne vous ai rien pris! Me calmer! Moi, me calmer! J'ai du sang gascon dans les veines, et quand il boue, il boue! Je veux mes écus! Où les as-tu cachés? Mais je ne vous ai rien dérobé! Levez-vous, monsieur de Paul! Je n'ai ajouté aucun crédit à vos histoires de barbarie, pure gasconade! Mais vous m'amusiez, votre imagination dépassait la nôtre, alors je vous ai offert l'hospitalité! Allez! Dehors! Je vous ferai tenir ward! Et plus vite! Si votre état ne m'obligeait à quelque respect, c'est avec ma botte que vous feriez connaissance. Monsieur de Paul prit logement dans la rue de Seine, en une maison qui portait pour enseigne l'image de Saint-Nicolas, près du palais de la reine Marguerite. Le temps n'avait pas apaisé la colère du juge. Quelques jours après, monsieur de Paul se trouvait chez monsieur de Bérulle. Ah, vous voilà, voleur, hypocrite, où sont mes écus? Je m'excuse, monsieur de Bérulle, mais je voulais vous démontrer l'ignominie de cet individu. Monsieur de Paul est un ami et un être précieux. Lui? Il vous volera comme il m'a volé mes écus cachés, mes écus économisés sol par sol. Lui seul connaissait la cachette. Un bel recrue pour vos futures œuvres. Un brigand, un aventurier, un soi-disant faiseur d'or. Un déchet, indigne du titre de Gascon. Qu'avez-vous à répondre, monsieur de Paul? Dieu seul sait la vérité. Monsieur le juge, veuillez modérer vos propos. Je ne puis croire que ce garçon soit un imposteur, un danger,
Donnez-lui à serrer votre argent. Il lèvera le pied pour aller courir quelque aventure. Un barbarie voleur. 6 ans s'écoulèrent avant que le coupable, arrêté pour d'autres méfaits, n'avoie son larcin. Monsieur de Paul, je garde confiance en vous. Dieu veille sur votre âme. Vous vaincrez ce qui est laid et vous ferez de grandes choses. Vaincre le mal, adoucir la misère. La misère. Grâce à l'intervention d'un de ses amis, Monsieur Leclerc de la Forêt, Monsieur de Paul devint aumônier de la reine Marguerite. Puis, il obtint l'abbaye de Saint-Léonard de Chaume. Il y eut des procès, peu de bénéfices. Il songeait toujours à sa mère, à Pouille, son village. À cette époque, je fis la connaissance d'un ecclésiastique de la maison de la reine. Il était assailli par des doutes contre la foi. Des blasphèmes contre Jésus lui venaient en pensée, et l'idée du suicide le hantait. Je priai Dieu de le délivrer et de me charger du poids qui l'accablait. Vincent de Paul fut exaucé. L'homme mourut, sauvé, le cœur débordant de reconnaissance pour une si grande grâce. Mais celui qui devait devenir un de nos plus grands saints dut porter pendant de longues années le fardeau accepté. Assailli lui-même de doutes, il ne fut déchargé de cette hantise que le jour où il décida de consacrer sa vie entière à ses frères les pauvres. Monsieur de Paul, ayant été nommé curé de Clichy grâce à Monsieur de Bérulle, prit possession de ses fonctions le 2 mai 1612. La population se composait en grande partie de paysans pauvres mais religieux et d'une très grande simplicité de mœurs. Tous étaient catholiques. Vincent de Paul fut le modèle des pasteurs et le bon peuple le modèle des fidèles. J'avais un si bon peuple et si obéissant à faire ce que je lui demandais que je me disais souvent, je pense que le pape n'est pas si heureux qu'un curé de village au milieu d'un peuple qui a si bon cœur. Mes paroissiens vivent comme des anges. Un peu plus d'un an s'était écoulé quand une lettre parvint à M. de Paul. M. de Bérulle lui demandait d'aller remplir dans la famille de Gondy le rôle de précepteur et d'aumônier. J'étais dans l'hôtel de Gondy. J'allais vivre là dans la riche demeure de Philippe Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, marquis des Îles d'Or, baron de Montmirail, de Dampierre, de Villepreux, général des galères et lieutenant du roi. Ce fut Pierre, l'aîné des enfants âgé de 11 ans, qui devint mon élève. Je n'aimais pas me mêler aux réceptions. Je vivais retiré dans ma chambre, comme dans une chartreuse. Je travaillais, je réfléchissais. Mon élève me donnait satisfaction. En somme, je n'avais plus à penser à mon avancement. Madame Marguerite de Gondy avait une piété profonde, mais trop scrupuleuse. Le passé la hantait et l'avenir lui faisait peur. Monsieur de Paul, puis-je vous entretenir quelques instants sans nuire à vos pensées réservées à Dieu ? Je vous écoute, madame. Je viens vous demander humblement, monsieur, de bien vouloir veiller sur mon âme. Oh, je ne sais si j'en suis digne.
Monsieur, c'est une grâce que vous me ferez, car j'ai déjà lassé la patience de plusieurs directeurs. Mais je sens que vous possédez telle finesse de tact pour ne pas me froisser. Monsieur de Paul devint donc directeur de conscience de Madame de Gondy, tâche délicate, difficile, légèrement tyrannique, mais rendue plus facile par la bonté d'âme et la piété de sa pénitente. Précepteur de Pierre de Gondy, directeur de conscience de sa mère, il imposa vite un empire discret sur le fier et bouillant Emmanuel de Gondy, général des galères. J'accompagnais monsieur et madame de Gondy, tantôt en Picardie, tantôt en Bourgogne, en Île-de-France. Nous allions ensemble distribuer aumônes et bonnes paroles. En cette année 1617 à Gannes, petite localité située à quelques kilomètres du château de Folleville, où nous résidions, se mourait un paysan que torturait une conscience en mauvais état. Il passait néanmoins aux yeux de tous pour un homme de bien. Mandé par lui, je lui fis faire une confession générale, et Madame de Gondy assista à ces derniers moments. Mais avant de rendre son âme à Dieu, il m'a confié. J'étais damnée si je n'eusse fait une confession générale, à cause de plusieurs gros péchés dont je n'avais osé me confesser. Il en est sans doute ainsi de la plupart de ces pauvres gens, monsieur de Paul. Que d'âmes se perdent. Quel remède à cela ? Le 25 janvier 1617, jour de la conversion de saint Paul, dans la petite église de Folleville où les paysans étaient réunis, je pensais au grave sujet dont j'allais les entretenir. La confession générale. Et je demandais à Dieu de bénir les paroles que j'allais prononcer. Je fus exaucé au-delà de mes souhaits. Je commençais à entendre les premiers pénitents, mais la presse fut si grande que, ne pouvant plus y suffire avec un autre prêtre qui m'aidait, Madame de Gondy envoya prier les révérends pères jésuites d'Amiens de venir à notre secours. Nous fûmes ensuite dans d'autres villages. Dieu donna partout sa bénédiction. Ces gens avaient besoin de s'instruire de la religion. Il fallait réveiller en eux la crainte de Dieu. En même temps, Dieu avait levé le doute qui pesait sur mon âme depuis la mort de l'ecclésiastique que j'avais assisté moralement. Ma route était tracée. Les pauvres, toujours, les pauvres. Ma décision était bien prise. Je me voyais dans l'impérieuse obligation de quitter cette demeure, mal faite pour un paysan comme moi, et où l'oisiveté pouvait me porter vers quelque passion ou tentation. Je m'en ouvris à M. de Bérulle. La paroisse de Châtillon-les-Dombes était en proie au désordre. Les chapelains y menaient joyeuse vie, et les paroissiens vivaient dans l'insouciance. Monsieur de Bérulle cherchait un prêtre zélé. Dieu le lui envoyait. Monsieur de Paul, sans prévenir d'un départ définitif, quitta la maison des Gondy. Il lui fallut peu de temps pour remettre de l'ordre dans sa paroisse. Les confessions se firent nombreuses et les chapelains reprirent des habitudes de travail et de prière. Bientôt, il ne suffit plus à la tâche et dut s'adjoindre un vicaire, Bressant. Car M. de Paul, bien qu'ayant acquis rapidement connaissance du dialecte de cette région, éprouvait quelques difficultés lors des confessions. Des calvinistes se convertirent, des dames de condition lui portèrent aide dans ses œuvres, le village fut rénové. Un jour, M. de Paul s'apprêtait à célébrer la messe, il était dans la sacristie quand une dame, visiblement inquiète, y fit irruption. Que vous arrive-t-il, madame ? Il n'est pas question de moi, mais de pauvres gens. Il y a, non loin d'ici, une ferme. Tous les habitants sont malades, sans soins, sans feu, sans nourriture. Ne pourriez-vous, pendant le sermon, dire quelques mots afin qu'on m'aide à les secourir ?
Dans l'après-midi, sur la route menant à la demeure des pauvres gens, ce fut une vraie procession de femmes qui allaient, les bras chargés, et revenaient, le panier vide. Le signal était donné, le grand courant de charité allait noyer l'égoïsme. Quelques jours après, M. de Paul réunissait les personnes charitables qui avaient porté secours à la malheureuse famille. Remercie au nom de Dieu du dévouement que vous avez apporté à secourir les pauvres gens, ce que j'avais recommandé à votre bienveillance. Mais ne pourrions-nous pas faire encore mieux en groupant nos efforts? Que penseriez-vous d'une association où chacun de vous s'occuperait à tour de rôle d'aider le corps et l'âme? Le corps en le nourrissant, le faisant médeciner, et l'âme en disposant à bien vivre et à bien mourir. La Mère de Dieu étant invoquée et prise pour patronne aux choses d'importance, il ne se peut que tout n'aille à bien et ne redonne à la gloire du bon Jésus son Fils. En ce jour prit naissance la confrérie de la charité qui, quelques mois plus tard, fut soumise à des règles. La confrérie devait, peu après, sauver Châtillon de la famine, puis de la peste. Dans la maison des Gondy régnait l'anxiété. On espérait le retour de M. de Paul jusqu'au jour où Mme de Gondy reçut la lettre suivante de son époux. Je suis en désespoir d'une lettre que m'a écrite M. de Paul. Je suis extrêmement étonnée de ce qu'il ne nous ait rien dit de sa résolution. Je vous en prie de faire en sorte, par tous les moyens, que nous ne le perdions pas. Madame de Gondy ne put retenir ses larmes. Ainsi, M. de Paul était parti définitivement, sans la prévenir. Il fallait agir. Sa première pensée, M. de Bérulle. Elle se rendit auprès de lui le jour même. Quelques mois après, on était en automne, un courrier spécial remit trois lettres à M. de Paul. De l'évêque de Paris. Je crois qu'il serait nécessaire de regagner... Non. De M. de Bérulle. La même chose, sans aucun doute. Je pense que votre absence peut amener de graves périls dans certaines âmes délicates et qu'il serait bon de... Non. Réfléchissez sur ce que vous avez à faire. Et non. De Madame de Gondy. L'angoisse où je suis m'est insupportable. Je vous supplie encore une fois, j'invoque Dieu et la Sainte Vierge de vous redonner à notre maison pour le salut de notre famille. Je sais que ma vie ne servant qu'à offenser Dieu, il n'est pas dangereux de la mettre en hasard, mais mon âme doit être assistée à la mort. Souvenez-vous de l'appréhension, vous m'avez vue en un pire état. Et la seule peur de cela me ferait tant de mal que je ne sais si, sans grande disposition précédente, elle ne me fera pas mourir. Seigneur, où est mon devoir? Éclairez-moi.
Quelques semaines s'écoulèrent. Monsieur de Paul décida de regagner Paris. Il neigeait sur la route. Il neigeait sur les champs, sur les toits de chaume et sur les toits d'ardoise. La terre était revêtue de l'immense uniformité blanche qui n'admet point d'inégalité. C'était le 23 décembre 1617. Il neigeait aussi sur Paris, mais la maison des Gondy était en joie. Monsieur de Paul fut déchargé de son préceptorat, ce qui lui donna le loisir d'exercer utilement son apostolat auprès des pauvres des champs. C'est à Villepreux tout d'abord qu'il commença son ministère, secondé par quelques ecclésiastiques et soutenu par la fervente admiration de Madame de Gondy. Puis, à Montmirail, à Joigny, on y établissait des confréries qu'on appela des charités. Venez, les bien-aimés de mon père, posséder le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Soyez miséricordieux comme mon père est miséricordieux. Les charités avaient pour patron Jésus-Christ même, pour membres un nombre limité de dames autorisées par leur mari ou leurs parents selon la situation. Leur charge était l'assistance spirituelle et corporelle des pauvres malades. Le 8 février 1619, M. de Paul lisait une lettre que M. de Gondy venait de lui apporter de la part du roi Louis XIII. Il serait nécessaire pour le bien et le soulagement des forçats de faire élection de quelques personnes ecclésiastiques de probité pour le pouvoir de la charge d'aumônier. Sa dite majesté, en compassion des dix forçats et désirant qu'ils profitent spirituellement de leur peine corporelle, a accordé la dite charge à M. Vincent de Paul, bachelier en théologie. Ce ne sera pas une charge pour moi, mais une joie. Monsieur de Paul s'en fut visiter les prisons de Marseille, vermine, pourriture, des membres brisés par les chaînes, des corps nourris par une infecte bouillie. Les bagnards étaient devenus des bêtes repoussantes, prêtes à se battre et à blasphémer. La chaleur qu'ils enduraient aurait fait mourir des chevaux. Ils tiraient la langue comme de pauvres chiens. Des prisons, Monsieur de Paul passa sur les galères. Cet homme me paraît mal en point. Pourquoi le maltraiter ? Oh, il ne mérite pas autre chose. D'abord, il doit ramer ou crever ! Mais il peut mourir de ce traitement et son arme. Ah, son arme ! Vous croyez qu'il a une arme ? Ce sont des chiens. Moins que des chiens. Puis, un de plus, un de moins, on n'a pas besoin d'enterrement. La mer est grande et les requins voraces. Monsieur, je vous prierai de cesser ce mauvais traitement. Je suis... Ah ça ! Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, ce que vous êtes ? J'ai une consigne. Le seul moyen d'obéissance, c'est le fouet. Mais cet homme va mourir. Arrêtez. Arrêtez. De quel droit me donnez-vous les ordres? Délivrez cet homme épuisé. Je prendrai sa place. Je suis Vincent de Paul, aumônier des galères du roi. Alors, enchaînez-moi. Voici mon pied. Et je ne me dédie pas. Monsieur de Paul visita ensuite les prisons de Paris, et en particulier la conciergerie, où les forçats attendaient le départ de la chaîne. Il fit la connaissance du procureur du roi. Ce sont des pourceaux vautrés dans leurs crimes. Si crime il y a, la justice des hommes n'est pas infaillible. La justice est souveraine. Et puis nous avons besoin de forçats pour nos galères. Monsieur de Paul, que deviendrait la France sans les galères? Nos terres seraient envahies par les pirates, nos femmes et nos enfants assassinés. Mais les galériens, ne sont-ils pas des hommes ravalés au rang de bêtes? Les galériens, ils purgent une peine méritée. Ce sont des êtres nuisibles à notre société. Et la peine est-elle toujours en rapport avec le délit? Cette question doit être posée à plus compétent que moi.
Encore une fois, monsieur de Paul, nous avons besoin de Galérien. Il peut arriver que quelques injustices se glissent. Oh, nous avons besoin de Galérien. Il peut arriver que quelques injustices se glissent. Oh, c'est... Madame de Gondi avait à cœur d'étendre l'œuvre des missions. Elle décida d'offrir un fonds de 45 000 livres à la communauté qui accepterait de donner ses missions. Monsieur Vincent frappa en vain à plusieurs portes. Oratorien, jésuite, l'œuvre des missions dans les campagnes soulevait de nombreux problèmes. Ce fut lui-même qui fonda la petite congrégation de la mission. La petite congrégation de la mission désire imiter Jésus-Christ, notre Seigneur, selon son petit possible, moyennant sa grâce. Sa fin, prêcher l'évangile aux pauvres, et particulièrement à ceux de la campagne. Aider les ecclésiastiques à acquérir les sciences et les vertus nécessaires à leur état. Ces prêtres de la mission, si Dieu permettait qu'ils fussent réduits à la nécessité d'aller servir de vicaire dans les villages pour trouver de quoi vivre, ou bien même que quelques-uns d'entre eux fussent obligés d'aller mendier leur pain ou de coucher au coin d'une haie, tout déchiré, tout transi de froid. Et qu'en cet état, l'on vint à demander à l'un d'entre eux, « Pauvre prêtre de la mission, qui t'a réduit à cette extrémité ?» Quel bonheur, messieurs, de pouvoir répondre, c'est la charité. Oh, que ce pauvre prêtre serait estimé devant Dieu et devant les anges. La congrégation de la mission devait évangéliser non seulement les paysans de France, mais ceux de l'univers, de Madagascar aux Hébrides, de l'Amérique à l'Empire céleste. Peu de temps après la fondation de la mission et l'installation des premiers missionnaires, Madame de Gondi mourut. Monsieur Vincent était auprès d'elle à son heure dernière, comme elle l'avait tant souhaité. La réforme du clergé causait aussi de graves soucis à Monsieur Vincent. Il fut secondé dans cette tâche par Augustin Potier, évêque de Beauvais. Un jour de juillet 1628, tous deux voyageaient ensemble. Il faut appliquer le remède à la source même du mal, en enseignant à ceux qui désirent entrer dans les ordres le devoir de leur état. J'entrevois un moyen court et efficace de préparer les clercs aux saints ordres. Je les recevrai chez moi pendant plusieurs jours. Ils s'y livreront à des exercices de piété, ils seront instruits de leurs devoirs et fonctions. Cette pensée vient de Dieu, monseigneur. Il serait bon de commencer au plus tôt. Tracez un programme, et 15 ou 20 jours avant l'ordination de septembre, revenez à Beauvais. Cette première retraite de Beauvais fut un succès. L'œuvre des séminaires ainsi créée était le commencement de l'œuvre des missions et l'embryon des conférences du mardi qui devaient changer la face de l'Église. En 1638, sous le porche de Notre-Dame, 5 ou 6 nouveaux-nés étaient exposés à la pitié des fidèles dans un berceau fixé au pavé. À côté, un bassin d'étain attendait les aumônes. Des passants s'interrogeaient. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces amours? T'en voudrais un que t'as pas le droit de le prendre. Il n'y a que la dame de la couche. Mais qu'est-ce que c'est la couche? Chut! Une maison rue Saint-Landry. C'est une veuve qui s'en occupe. Nous sommes dans la maison de la couche, tristement célèbre. La tenancière s'adresse à une nourrice. Prends encore ces deux garçons aujourd'hui. Allons, dépêche-toi. Faut pas attendre qu'ils meurent de faim. Madame, j'en nourris déjà 4. Bah, prends-en au moins un. T'en nourriras bien de plus. On te demande pas qu'ils engraissent, qu'ils crèvent pas tout juste.
Et l'autre qui reste? Ouais, faut faire la part du feu, c'est le plus maigre. Bon, on le donnera à la femme qui vient tous les jours. Celle dont le lait est gâté? Chut! On entre. Femme, peux-tu nous livrer un enfant? Oui, monseigneur, mais ça dépend de votre générosité. Oh, merci, monseigneur. Vous suffit-il pour la cérémonie? Un seul suffit. Maintenant, c'est au tour d'un mendiant. T'es là, la vieille? Je voudrais un gosse. T'en as récolté combien dans la journée? 2, mais ils sont déjà vendus. Ouais, à des riches qui paient mieux que moi. Et qui font des sortilèges avec le sang. Alors, à moi, un honnête homme qui te les achète pour qu'ils gagnent leur vie, tu me les refuses. En attendant de gagner la leur, c'est la tienne qui gagne, truand. Vous leur brisez les os pour exciter la pitié des bourgeois. Allons, allons, vite. J'en ai besoin là tout de suite, ou sinon, je manque l'affaire. 5 sols. 10 sols. 8 sols, d'accord? Ouais, tiens, voilà l'avorton d'hier. On t'aura vite fait de le casser, les poids solides. Attention, on frappe. Passe par là. J'aime pas que les clients se rencontrent. Vous désirez, madame? Un peu tard, si c'est un gosse. J'en ai plus à vendre. Madame, je viens de la part de Monsieur Vincent de Paul. Bon, peu m'importe de la part de qui vous venez. Au nom de Monsieur Vincent de Paul, conseiller de la reine, je vous ordonne de me remettre 3 enfants, en attendant de vous décharger des autres. Soyez sans crainte, ils seront aussi bien soignés qu'ici. Mais qui êtes-vous, madame? Louise de Marillac, dame de la charité. Qui ne ménageait ni son temps ni sa peine. Elle domptait ses souffrances physiques, ses douleurs morales. Le jour où je lui avais dit « Fiez-vous en Dieu, je vous en supplie, et vous aurez l'accomplissement de ce que votre cœur désire. » Elle avait compris. Dieu est amour et veut qu'on aille par amour. Louise de Marillac, nièce de Michel de Marillac, veuve d'Antoine Legras, supérieure des filles de la charité. Les filles de la charité auront pour monastère les maisons des malades et celles où réside la supérieure. Pour cellule, une chambre de louage. Pour chapelle, l'église paroissiale. Pour cloître, les rues de la ville. Pour clôture, l'obéissance. Ne devant aller que chez les malades ou au lieu nécessaire pour leur service. Pour grille, la crainte de Dieu. Pour voile, la sainte modestie. Et ne faisant point d'autres professions pour assurer leur vocation, que par cette confiance continuelle qu'elles ont en la divine providence et par l'offrande qu'elles lui font de tout ce qu'elles sont et de leur service en la personne des pauvres. La sinistre maison de la couche était morte et de son écroulement naissait l'immense courant de charité qui devait sauver du mal des milliers de petits-enfants. En 1647, l'œuvre des enfants trouvés passa par une crise terrible. Les misères de la guerre avaient tari toutes les ressources. Les sœurs de charité se privaient du nécessaire pour assurer la subsistance des enfants à leur charge. La compagnie des dames de la charité envisagea alors d'abandonner cette œuvre trop onéreuse. Alors, M. Vincent lança cette adjuration. Orsus, mesdames, la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créatures pour vos enfants. Vous avez été leur mère selon la grâce, depuis que leur mère, selon la nature, les ont abandonnés. Voyez maintenant, si vous voulez aussi les abandonner. Cessez d'être leur mère.
pour devenir à présent leur juge. Leur vie et leur mort sont entre vos mains. Je m'en vais prendre les voix et les suffrages. Il est temps de prononcer leur arrêt et de savoir si vous ne voulez plus avoir de miséricorde pour eux. Ils vivront si vous continuez d'en prendre un charitable soin. Et au contraire, ils mourront et périront infailliblement si vous les abandonnez. L'expérience ne vous permet pas d'en douter. Cette exhortation sauva l'œuvre. Mazarin était au pouvoir. Anne d'Autriche subissait son ascendant. La France divisée pressentait le commencement de la débâcle. La fronde approchait. M. Vincent, membre du conseil de conscience de la reine, gênait M. le cardinal de Mazarin. Je ne comprends pas l'engouement de votre majesté pour ces prêtres miteux. Voyez comme il vient habillé à la cour. Sa ceinture est frangée, son habit verdi. Votre Majesté connaît la réponse qu'il fit au prince de Condé. C'est mes trop d'honneur que votre Altesse me souffre en sa présence. Moi, le fils d'un pauvre porcier. Et c'est cet homme-là que vous admirez, Majesté. Monsieur Vincent est membre du Conseil de conscience et il le demeurera. La cour ayant quitté secrètement Paris pour se réfugier à Saint-Germain, Mazarin décida de faire le blocus de Paris et de le réduire par la famine. Bien que souffrant, M. Vincent partit trouver la reine. Le voyage fut pénible et périlleux. Après avoir traversé les troupes de la Fronde, M. Vincent dut franchir la Seine débordée et le front des troupes royales. Rude épreuve pour un homme de 68 ans. Anne d'Autriche renvoya M. Vincent à M. de Mazarin. Monsieur Vincent, quelle surprise! Ne croyez pas que ce soit uniquement pour le plaisir de vous voir que je suis venu à Saint-Germain. Ce plaisir aurait été partagé. Monsieur le cardinal, Paris est affamé, et cela par vos ordres. Il y a des émeutes dans les rues, des gens se battent. Nous n'empêcherons jamais les uns de se battre, les uns de mourir. Je suis très navré, mais que voulez-vous? La situation est difficile, très difficile. C'est pour m'apprendre cela que vous avez bravé les dangers de la route? Non, mais pour vous dire, monseigneur, sacrifiez-vous. Cédez au malheur du temps. Jetez-vous à la mer pour calmer l'orage. Vous me demandez une chose impossible. La France a besoin de moi. Allez, monsieur Vincent, allez visiter vos congrégations. Allez, allez. Je dissimule, je biaise, j'adoucis, j'accommode, tout autant qu'il est possible. Ah, dans un besoin pressant, j'ai fait voir de quoi je suis capable. Pendant la Fronde, M. Vincent avait eu bien des vicissitudes. Et maintenant, la guerre continuait. La France était la proie du brigandage, de la peste et de la famine. Les vivants étaient mêlés aux morts, les loups entraient dans les villages. Les paysans fuyaient vers Paris. Les pouvoirs publics ne s'en émouvaient guère. Les secours furent l'œuvre de M. Vincent. Inlassablement, sur les routes, il donnait, consolait, secourait, suivi de ses pères de la mission et de ses filles de la charité. L'hôpital général fut créé et le roi voulut en confier le service aux prêtres de la mission. La Pitié, la Salpêtrière, Bicêtre ouvrirent leurs portes à la misère. Puis ce fut l'aide admirable aux provinces dévastées, la Lorraine, la Champagne, la Picardie, l'Artois, l'Île-de-France. Voici la lettre adressée à M. Vincent par M. Delafont,
lieutenant général de Saint-Quentin. La misère est si grande qu'il ne reste plus d'habitants dans les villages qui aient seulement de la paille pour se coucher, et les plus qualifiés du pays n'ont pas de quoi subsister. Il y en a qui possèdent même pour plus de 1000 écus de biens et qui à présent n'ont pas un morceau de pain et ont été 2 jours sans manger. C'est ce qui m'oblige, dans le rang que je tiens et la connaissance que j'en ai, de vous supplier très humblement d'être le père de cette patrie pour conserver la vie à tant et tant de pauvres moribonds et languissants que vos prêtres assistent et qui s'en acquittent très dignement. Mars 1660. Louise de Marillac, la collaboratrice de tous les instants, l'âme des charités, la mère des enfants abandonnés, allait rendre sa belle âme à Dieu. Je la considérais comme morte depuis 10 ans. À la voir, on aurait dit qu'elle sortait du tombeau, tant son corps était faible et son visage pâle. Mais Dieu sait quelle force d'esprit elle avait. Malgré son désir, elle ne put revoir son père spirituel. Monsieur Vincent était immobilisé par la souffrance. Ses pauvres jambes lui refusaient tout service. Ces deux grandes âmes ne devaient se revoir qu'au ciel. Louise de Marillac fut ensevelie dans la chapelle de la Visitation de l'église Saint-Laurent. C'était le 17 mars 1660, lundi de la Passion. Vous partez la première. Si Dieu me pardonne mes péchés, j'espère aller vous rejoindre bientôt. 6 mois après, M. Vincent écrivait à M. de Gondy. J'ai sujet de penser que c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de vous écrire. Pardonnez-moi si je vous ai déplu en quelque chose. Pardonnez ma rusticité. Je vous remercie des innombrables bienfaits reçus de vous. J'ai devant moi un petit crucifix de bois. Ah, mon sauveur, mon bon sauveur, je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous avez bien plus souffert que moi, et ce n'est rien comparé à ce que mes péchés m'ont mérité. Mes pauvres jambes ne me portent plus. On me transporte sur une chaise à la chapelle. J'ai reçu aujourd'hui la Sainte Communion. L'assoupissement était devenu presque un état constant. Monsieur Vincent se mourait, entouré de ses fils. Bénissez votre famille spirituelle. Dieu la bénisse. Pour les conférences et les ecclésiastiques qui en font partie, donnez-vous votre bénédiction. Benedictio Domini Nostri Jésus Christ. Pour les dames de la charité. Oui. Pour les enfants trouvés. Pour les pauvres du nom de Jésus. Pour les bienfaiteurs et amis. Oui. Puissent les modestes prières de tous ces assistés vous compter au ciel.
C'était le 27 septembre 1660. À 4h45 du matin, M. Vincent mourut, tout habillé, dans sa chaise, proche le feu.